déchets, climat, air, énergie, risques naturels, biodiversité et paysages. Le rapporteur pour l'atelier sur l'eau, c'est M. Dufard. Je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est dit le matin dans le débat général, avec déjà une introduction par M. Balvisé, notre maire de cérémonie. L'efficacité de la communication, de mon point de vue, revient dans d'autres sujets aussi, parce que nous nous rendons compte qu'on a un tas d'affaires et faits, seulement tout le monde n'y connaît pas. Est-ce qu'on a des questions de complément d'information? Juste une question. Attends, il faut qu'on attend. Juste une question de compréhension, c'est la gonifiole. T'es sûr? Un gonifiole, vous ne connaissez pas un gonifiole? On connaît un gonifiole. Oh, Marma, il ramasse le chopin de la bière, avant c'était pour la soirée. Il ramène ça à la soirée. Ben, tout le monde, il crase autre gonifiole. Donc, je me demande si, vous l'avez dit en diagnostic, ça ne vous a pas échappé, c'est un point qui ne vous a pas échappé, il fallait travailler la prévention, mais aussi, sans doute, la verbalisation. Mais je me demande si, au bout de 15 ans d'accompagnement par les écoles, à qui on fait porter beaucoup, si après 15 ans d'accompagnement par les écoles, s'il est encore temps de parler encore éducation. L'Observatoire réunionnais de l'air, ou ORA, qui mène des études au moyen de ces stations disséminées un petit peu partout sur l'île, qui mesurent la qualité de l'air. Et SPL Énergie Réunion. Mathieu Pasquier, hier, de la Croix, de la Croix-Rouge, nous disait qu'une enquête de perception montre que les Réunionnais ne savent pas quoi faire en cas de cyclone. S'il y a un thème qui est abordé oralement à la télé... Parce qu'en fait, nous l'est en train de phosphorer, nous en train d'additionner toutes nos intelligences sur un ensemble de problèmes dans un cadre que est fixé par je ne sais pas qui. D'accord ? Écoutez, j'ai frais là. Aïe, 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 il a fait les coques. Si il commence comme ça, c'est que pas vraiment au sujet. Réagir comme ça, à chaud, ou à froid, je ne sais jamais. Peut-être à froid un peu. Sur des conclusions de l'atelier, un travail... Qu'est-ce qu'il y a aux antipodes de la Silicon Valley? Il y a l'île de la Réunion, où nous sommes déjà une préfiguration d'une colonie spatiale. Nous sommes une terre de colonisation, mais avec cette spécificité, je dirais, planétaire, unique, que nous sommes Virgin Colony. Nous sommes une colonie sans péché original, sans massacre préalable d'une population préexistante. Cette peur là qu'on est en train de semer, ce désir de sécurité, ça nous enlève de la liberté, hein, l'encouragement à la cupidité. Et mon téléphone il marche plus en plus. Oui. Allô? Ben mi passe à ouais, hein, madame, et puis elle va expliquer à où, hein. Où est-elle là? Oui, hein, vous pourriez lui dire où elle est? Allô? Bon, où je suis? Oui. Oh, il y a vraiment quelqu'un au téléphone. Eh bien, à Epo, dans le cirque de Salazie. Je suis avec votre mari. Allô? Il n'entend pas bien cause là-dedans. Oui. Alors, on est effectivement à Elbourg, dans le cirque de Salazie. Alors, ça, vos cyclades. Vos cyclades aussi, hein. Voilà. Alors, Où sont les sept boucanés là? Les carrefours, la promotion.
vous dites pas bon. Et en haut là, combien litres de l'eau il faut pour 1 kg la viande cochon? Non. 6000 litres de l'eau. Par le fait, 188 douches. Je veux juste remercier ma femme qui me donne l'occasion en ce jour de vous adresser ce discours. Calcule combien de l'eau nous peut être pour la notre loto, alors de sous cascade qui s'enlève. Moi je dis, jetons nos aspirateurs poussiéreux et passons un balai devant notre porte. Et ça, la pli balayé, ben, dit, n'apprête à zot la moustache Henri Claude Moutou en salle majeure. Merci bien. Avec plaisir, je laisse vous servir le bouteille. T'en sors, vous êtes un vrai paparazzi. Voilà. On s'est arrangé avec les gens de la technique, donc on a repéré ceux qui sont un peu moins courts. Donc au bout d'une minute trente, des charges électriques de 2 volts, au bout de 2 minutes trente, des charges électriques de 30 volts. Donc la voix est maman. Mon débral est cassé. Voilà, perdre le combat. Et les pieds dialoguer. Et refuse que les bras. Et quoi mon dos, voilà, petit courage. Dans mon cœur en silence, il mange la rage. On est vraiment dans un problème de choix de société, là. Il s'agit d'un problème fondamental, un problème politique fondamental, en fait. Parce que nous, là, effectivement, on identifie les problèmes qu'on arrive à cerner, enfin, de voir comment on peut agir là-dessus en tant que citoyen, etc., etc. Mais en même temps, on a tous, pour peu qu'on y réfléchisse un tout petit peu, conscience que voilà, en face de nous, on a une machine qui est extraordinaire, une machine à broyer, une machine qui va à l'encontre de tout ce qu'on souhaite défendre. Ce sont 3 jours de rencontres éminemment politiques, puisque l'on s'occupe de politique, de la vraie politique, celle de la vie de la cité. Je veux dire, il y a des lois, des trucs qui nous aident à fonctionner, qui sont un cadre qui va bien, mais quand les règles, les administrations vous embêtent, eh bien, on est dans un monde où l'innovation est importante, changez les règles. Et puis, si vous ne pouvez pas changer les règles, ignorez-les. L'environnement et le développement durable était justement aussi de permettre aux gens de passer un message en le sens de dire arrêtons d'attendre le messie politique, celui qui va faire changer les choses et qui va bouger. Donc cette prise de conscience de notre destin collectif et peut-être de passer un message beaucoup plus à dire soyons citoyens réellement, prenons part à la vie de la cité. L'éducation relative à l'environnement. Bon, je me souviens aussi des colloques, regroupements, colloques que le Conseil de la culture avait mis en place dans le cadre de l'éducation populaire. Et vous l'avez aussi entendu aussi, donc, à l'effet relaté, donc, la quantité aussi d'expériences que l'expérience et de réalisation étaient menées par des organisations associatives, par des organisations d'éducation. Et j'ai l'impression que quelque chose qui nous dépasse un petit peu et qu'on essaie d'aller vers. Donc c'est le lien, faire le lien. Le lien entre nous déjà qui sommes convaincus, parce qu'on est ici entre convaincus, entre connaisseurs et connaisseurs, mais également d'aller vers d'autres, c'est-à-dire faire le lien entre nous connaisseurs et convaincus vers les Les faits que ce soir je peux être très court, puisqu'on est resté assis quand même pendant toute l'après-midi. Je vous respecte et je le respecte. Mais à quotidien, j'avais commencé mon intervention d'ouverture au nom par du souhait de faire prix. Aussi au nom de la présidente ensemble. D'abord, remercier nos partenaires, la CCE, surtout s'agrandir, agrandir. Et agrandir plutôt, c'est pas s'agrandir, c'est faire la justice. Madame la première adjointe et l'ensemble des équipes qui ont travaillé à la bonne réussite de ces séminaires et saluer l'initiative du CCE.
Je ne vais pas être long puisque je n'ai pas préparé le discours. Je vais parler de mon cœur, le cœur de Saint-Joseph-Paul, le cœur d'un Réunionnais qui a aussi baigné et grandi dans les. Bien, avant de passer le relais, je vais vous dire comme un petit mot sur mon impression. On m'a donné à la radio ou autre un peu mon impression par les extérieurs, mais pas pratiquement forcément à des gens qui étaient là, présents, à participer. C'est le flambeau, bien sûr, mais je dirais que pour nous, ce n'est pas un flambeau. Je vois plus ça comme un camion, voire, que dis-je, plus comme un train, à la fois avec la version physique que tout le monde connaît du train par rapport à sa masse et à son poids, à son volume. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord excuser monsieur le préfet qui n'a pas pu se rendre disponible et qui m'a demandé, et c'est un plaisir pour moi, de le représenter pour cette clôture. Je voudrais surtout, et au nom de l'État, remercier les organisateurs de cette réunion, donc le Conseil de la Culture, de l'Éducation et de l'Environnement, en partenariat avec la mairie de Salazy, le Parc National, l'association Grandir, et merci à l'ensemble des partenaires, à l'ensemble des acteurs de l'éducation à l'environnement pour un développement durable. Vous pouvez parler, c'est une vidéo.